Eh bien, salut à tous les amis, c'est Gamer Simulation. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2013. Donc cette fois-ci, c'est une présentation de mode. Donc pourquoi une présentation de mode? Parce que le 2015 arrive et en fait, je me rends compte que j'ai vraiment pas fait beaucoup de présentations de mode. Et comme là, j'avais pas trop le temps de tourner, je me suis dit, allez hop, c'est l'occasion. En plus, j'ai trouvé un très 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 beau mode. Donc aujourd'hui, le mode du jour, c'est une Casio-H Axial Flow, pardon, 2388, qui a été fait par Alex sur le site Frabel Modding, sur le forum Frabel Modding. Donc la plupart du temps, les mods qu'il y a sur ce site sont vraiment magnifiques, mais celui-là, franchement, moi je l'adore. Vous allez tout de suite voir pourquoi. Alors, à première vue, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc ici, là, le petit, je sais plus comment on appelle ça. Ça tourne, c'est vraiment bien fait. Les textures sont vraiment bien faites, rien à redire. Elle fait assez ancienne. Là, on peut voir que c'est assez déteint sur le carénage du, enfin, du côté. C'est, enfin, franchement, à première vue, vous vous dites, mais elle est vraiment magnifique. Et oui, on se trompe pas du tout parce que hop, là, les gyros, bon, les gyros qui sont un petit peu puissants. Je pense que en multi, ça doit faire laguer plus d'un. Donc hop. Donc alors, bon bah la buse hein, qui se déplie vraiment pas mal du tout. Hop. Donc alors, on va tout de suite voir les options. Donc en appuyant sur R, c'est pour activer les rétroviseurs. Parce que oui, il y a des rétroviseurs sur cette moissonneuse. Donc je vous montrerai une fonction sur les rétroviseurs qu'il n'y a pas sur tous les autres modes. Donc avec K, donc ça c'était R hein, pour mettre les rétroviseurs. Avec K, on ouvre bien évidemment... la trémie, voilà, hop, elle s'ouvre. Après, avec Enter, du numpad, pas Enter pour envoyer vos messages sur Skype ou Facebook ou autre. Avec Enter du numpad, hop, c'est pour activer la moissonneuse. Donc, vous voyez bien que le régime moteur s'accélère. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. On va juste la désactiver pour éviter que ça crie trop pendant la vidéo. Donc, X, c'est pour le mode route. Donc, voilà, le mode route là. Et là, le mode travail. Avec N, c'est pour activer le déchargement. Donc, c'est quand en fait on déploie la buse. Après, on appuie sur N et je pense que ça active le déchargement et ça le désactive automatiquement. Donc après, tout ce qui est point virgule, ça, je n'ai pas vraiment encore trop compris. Il y a juste quelque chose que je sais. Donc là, ajustement en mode caméra, ça, j'ai pas compris. C'était rétroviseur, donc ça c'est le rétroviseur gauche. Et vous allez voir, c'est vraiment pas mal du tout ce qu'a voulu faire le modeur parce que hop, là on peut faire bouger les rétros pour bien les placer. Bon, bien sûr, ça touche, enfin ça pousse le réalisme au bout parce que là franchement, on arrive à fin FS 2013 et quand on voit les modes qui nous sortent, on se demande ce que ça va être à fin FS 15. Parce que franchement là, il n'y a rien à redire. Là, le réalisme est vraiment poussé à bloc. Donc après, donc tout ça, c'est avec les touches, pas du numpad, mais du... sinon, du numpad, attendez. Non, du pavé numérique, donc juste au-dessus des lettres. Donc vous touchez avec la touche 5 pour tourner vers la droite. Avec la touche 7, c'est pour tourner vers la gauche. Après, avec la touche 6, c'est pour vers le bas. Et avec la touche Y, pour vers bas, le haut. Donc après, on appuie sur la touche... c'est la touche... Non, voilà. C'est la touche point virgule, donc pour faire passer les différentes informations. Donc là, après, on a la même chose sur le rétroviseur droit. Donc voilà. Par contre, c'est juste ajustement et de mode caméra que ça, j'ai vraiment pas compris. D'accord. Ah ouais. Ah, par contre, ce qui est dommage, c'est que le fauteuil ne bouge pas. Donc là, on est un peu en mode, on va dire... passager, si on peut dire ça comme ça. On va essayer de se mettre un peu plus bas si on peut. Non, on peut aller vers l'avant. Donc hop, tac. Ah ouais, ah d'accord, bon bah maintenant je sais à quoi ça sert. Vous pouvez voir que, enfin franchement, les réalismes est poussé vraiment à bloc sur cette moissonneuse. Bon, l'intérieur, je pense que on va pas dire qu'il est pas beau. Je pense qu'il y avait, il y a quelques touches à refaire sur cette moissonneuse juste pour l'intérieur. Mais bon, franchement, quand on voit le travail qu'a fait le modeur, ça se trouve, il s'est dit l'intérieur, la plupart des gens, souvent, ils sont en vue extérieure quand ils moissonnent.
pourquoi vraiment travailler sur l'extérieur, sur l'intérieur. Donc lui, il a préféré travailler sur les options, des rétros, tout ça, ce qui est vraiment pas mal, hein. Ça, franchement, je ne critique pas du tout parce que je respecte le meneur qui a fait ça parce que franchement, là, il n'y a rien à redire. Donc avec la touche 7 du numpad, c'est pour augmenter les paramètres de grain. Ça, j'ai pas vraiment compris aussi parce que peut-être que j'avais mal regardé, mais non, y a rien qui change. Donc s'il y a des habitués de, enfin ou sinon s'il y a des fils d'agriculteurs ou même des agriculteurs qui jouent, je pense que vous comprendrez ces touches. Moi, là, là, je pourrais pas vous aider. Donc il y a la lumière de la goulotte. De la goulotte, ouais. Bah, pourtant c'est un mode que j'ai testé, mais c'est vrai qu'il y avait quelques touches. Vous voyez, il y a tellement plein de touches qui sont poussées sur les réalismes qu'on n'arrive même plus à les trouver. Ce qui est assez bah, fun, hein, parce que Farming, c'est quand même un jeu de simulation. Alors attendez. Alors, ah voilà. Ah, en fait, c'est que je me trompais de touche. Mais non, pourtant, non. La lumière de la goulotte. Ah, voilà. Non, c'est bon. La lumière de la goulotte, c'est pour éclairer la buse ou tout ça quand on la déplie. Je pense, hein, si je me trompe pas. Ouais, non, 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 ça doit être ça pour éclairer la benne quand on vide. Tac. Donc, avec la touche. C'était combien déjà? La touche 4 du numpad. Les phares avant de travail. Avec la touche 5, bah, c'est les phares arrière. Hein. Ça, c'est des habitués de. Des modes, on va, j'ai envie de vous dire. Et puis par exemple, quand vous vous déplacez avec la coupe à blé sur le porte-coupe qui est juste au fond là-bas, hop, vous avez la petite plaque courroie agricole qui s'intègre bah, sur l'avant de la moissonneuse. Donc on peut enlever par la suite avec la touche 8 du numpad. Donc est-ce qu'il y a les clignotants? Ah oui, il y a les clignotants. Donc hop, vous pouvez voir qu'ils sont assez bien réalisés. Ouais, franchement, chapeau au modeur. Franchement, s'il regarde cette vidéo, franchement, je le félicite parce que waouh, il a fait vraiment du très très beau boulot. Donc, niveau tarif, cette poissonneuse reste assez raisonnable, j'ai envie de vous dire. Elle coûte que 198 000 euros. Donc, pour les carrières suivies, ça peut être un gros investissement pour la taille de la moissonneuse. Mais pour les carrières très riches comme celle-ci, bah, c'est vraiment rien du tout, j'ai envie de vous dire. Parce que quand on voit les sous que j'ai là, par exemple, bah, c'est vraiment une moissonneuse facile à acheter. Donc après, on a la barre de coupe à blé, orge et colza. Donc elle coûte 35 000 euros. Donc ça reste raisonnable aussi pour une coupe de 6,70 m. Qui est vraiment pas mal. Et aussi, vous verrez par la suite, je vous montrerai ça tout à l'heure, mais on peut ajuster le rabatteur, le mettre en haut vers le bas. Et il y a une fonction sur cette moissonneuse où on met réaliste, donc c'est justement là où on met ajustement rabatteur, où on doit ajuster le rabatteur. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses. Donc, on va passer au cueilleur à maïs, donc qui va toujours sur la case. Donc il coûte 29 000 euros, lui ça va, pour 6 mètres 40, ça va aussi. Et on a toujours aussi la fonction réaliste, donc lavable, animation culture, animation chaîne de coupe. Donc voilà, alors nous, hop, on va juste aller tester le chariot de coupe. Donc on va attacher la coupe à blé, orge et colza. Ah, j'ai cru qu'il y avait. Attendez, on va tout de suite. Hop, en avoir le carnet. Non, par contre, il n'y a pas le petit bip quand on recule, mais bon. On va pas s'énerver pour ça. Enfin, justement, les petits bips, c'est plutôt désagréable. C'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, que le modeur l'a enlevé. Allez, hop, allez. Donc on va essayer de bien la placer. Et d'après les vidéos que j'ai vues, il y avait pas mal de gens qui étaient contents parce que on pouvait l'accrocher. Enfin, je vais vous montrer ça. Au moins la barre de coupe ne bougeait pas. Donc on pouvait l'accrocher
sur la barre de coupe, sur la, si si, non, sur le chariot de coupe, on va y arriver, parce qu'on est le soir là. Donc on va aller attacher ça, on va essayer de bien faire la manœuvre. Hop. Vraiment une moissonneuse où il n'y a pas grand chose du tout à redire. Hop, et hop, voilà. Donc là, hop, elle est attachée. Et là, par exemple, vous roulez, hop, comme ça et comme ça. Voilà. Et donc là, ça fait très très réaliste. Je pense que vous pouvez le remarquer. Donc aussi, hop, je vais juste détacher les. Oula. Je vais juste détacher. Bon, on va y arriver. Voilà. Je voulais juste détacher ça pour vous montrer quelques petites animations à l'arrière. Donc, hop, on va juste s'enlever du chariot de coupe. Hop, on descend. Tac. Donc, avec la touche U, c'est l'échelle qui se déplie avec le petit bruit de grincement pour, qui va toujours avec la vieille moissonneuse. Hop, donc on va la remettre. Et j'ai essayé, on ne peut pas monter sur le dessus de la moissonneuse. Et avec la touche B, hop, on retire le broyeur en fait. Hop, je sais pas si vous entendez bien le bruit de l'animation. Quand on le retire, je vais vous voir faire écouter. Bon, j'espère qu'on aura bien entendu dans la vidéo, mais c'est vraiment quelque chose qui est bien fait. Donc on va tout de suite passer au cueilleur à maïs, donc qui est pas mal du tout à première vue. Ouais, franchement, il n'y a pas grand-chose à redire sur cette poissonneuse et sur ces barres de coupe. Quand on voit excusez-moi du terme, mais quand on voit la gueule des mods, franchement, là, franchement, je suis épaté. Donc là, après, avec la peinture qui est partie, avec l'usure de la moissonneuse, enfin de la barre de coupe à maïs, du cueilleur à maïs. Donc voilà, donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille la tester dans un champ. Donc, hop, je vais tout de suite sauter dans la batteuse. Alors, on va l'activer. Alors, comment ça marche déjà? Donc là, j'ai activé. Et là. Et voilà, là, hop, on va être parti. Donc après, je vous montrerai aussi un petit mode bien sympatoche que j'ai trouvé. Enfin, que j'ai trouvé. Oula. Alors. Pourquoi ça. Ah, c'est bon. Excusez-moi. C'est moi qui me suis trompé. Je vais vous montrer après un petit comment ça s'appelle? Un petit mode du shader tipping pour ceux qui connaissent, je sais pas si vous connaissez. Par contre, je sais pas combien elle a de capacité cette moissonneuse. Ah, elle a 7400 de volume dans la trémie, donc c'est assez beaucoup, enfin c'est pas mal. Le seul ah c'est ce ah il y a des ah oui, d'accord. Parce que là, elle est activée en mode. Elle est activée en comment? En mode réaliste. Bon, écoutez, je vais essayer de trouver ça et on se retrouve tout de suite, les amis. Donc, re, les amis, donc j'ai vraiment pas trouvé parce que on a 98% de perte. Donc, c'est pour ça que ça augmente pas vite du tout. J'ai vraiment pas trouvé parce que cette machine est tellement réaliste que je me perds, hein, tout simplement. Bah, je ne saurais pas vraiment vous aider là parce que ça me paraissait tellement simple dans les vidéos que je me suis dit allez, je vais aller la présenter tout ça, mais non, franchement, c'est vraiment difficile. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde les andins de paille, donc ce qu'a fait de bien. Et voilà, alors, hop et hop. Alors, on va regarder si les andins de paille sont pas mal. Ça va, ça sort propre. Non, franchement, ça va. Ouais, franchement, c'est pas mal du tout. Bon, bah du coup, je pourrais pas vous montrer le mode du shader tipping, ce que vous pouvez voir là, sur le petit encadré à gauche, en bas à gauche, que on a 99% de perte. Je ne sais même pas comment, parce que là, il y a quand on appuie là, ça met ajustement du mode real. Donc en gros, c'est ajustement du mode réel. Mais comment? Parce que tout ça, on a touché. Hein. Mais je sais pas comment on l'enlève en fait. Le mode. Non, c'est pas ça.
Peut-être qu'ils vont le dire là-dedans, je sais pas du tout. Non. Franchement, là, ça me... Ah, par contre, on avait oublié d'enlever la plaque qu'on voit. Non, là, franchement, je ne saurais pas du tout vous aider. Ah, attendez, on va refaire le... Quand on descend, écoutez bien le bruit. Hop, là, elle est activée. Et écoutez bien le bruit quand on va descendre. Je me tais pour que vous puissiez l'entendre. Voilà, donc comment le régime moteur, franchement, bah, bouge, enfin, se diminue vraiment comme dans la réalité, pardon. Donc ouais, franchement, là, ça m'énerve un peu parce que oui, je sais pas comment on l'enlève. Quand j'ai regardé une vidéo de journaux après, ça me paraissait tellement simple parce que lui, il avait réussi à l'enlever. Mais je sais pas du tout comment il a fait. Donc en tout cas, nous les amis, on va se laisser là-dessus. Donc encore désolé, si vous voulez la télécharger, bah, je mets le lien du forum Frabel Modding, donc faut s'inscrire, faut se présenter, je vais mettre un tuto de YouTube pour comment pouvoir télécharger des mods sur Frabel Modding dans la description, c'est un tuto très très bien présenté, 2 jours dans le pré, donc vous regarderez un petit peu comment est-ce qu'on fait, puis vous cherchez après dans les dossiers nouvelle création de Frabel Modding, enfin le dossier s'appelle comme ça, il me semble, et puis vous verrez KaziH 2388 Axial Flow, et puis vous la téléchargez, vous la testez, et si vous avez réussi à enlever le mode réel, dites-moi juste comment, ce que j'aimerais bien savoir. Donc en tout cas, nous les amis, on va se laisser là-dessus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, bah justement me dire comment est-ce qu'on fait pour retirer ce foutu mode réel de cette moisson, parce que j'aimerais bien l'utiliser pour acquérir ces checks. Enfin bref, à partager cette vidéo et à nous rejoindre sur ma page Facebook. En tout cas, moi les amis, je vous dis à la prochaine et salut!